La décision a été longue à prendre, ça a été un choix difficile pour moi, parce que j'étais très bien à Barcelone, dans le club le plus titré au monde, le meilleur joueur au monde, voilà, une famille, des gens avec qui je me sentais très bien, un club qui m'aimait, des supporters qui m'aimaient. Et j'avais toujours dit que c'était soit Barcelone, soit Paris, parce que voilà, Paris c'est mon pays, c'est la France, c'est la capitale, c'est un grand club de hand. À Paris, voilà, toutes les conditions sont réunies. C'est un club qui m'a toujours beaucoup intéressé. Le projet de Paris, dès le début, depuis 3-4 ans, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. On était très proches. Les dirigeants ont souvent manifesté leur intérêt pour moi. Et puis, voilà, construire un grand club en France, avoir le rayonnement qu'on a avec l'équipe de France, l'avoir avec un club aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé. L'objectif, c'est d'aller le plus haut possible, c'est de regagner avec des champions pour moi et de la gagner une première fois pour le PSG. C'est des objectifs très élevés, mais je pense que l'effectif qu'on a nous permet d'y rêver, et c'est clairement pour ça que je suis venu. Je pense qu'on peut même être compétitif dès la première saison, même s'il y a pas mal de choses à bosser et à mettre en place. Mais voilà, un très gros objectif, une belle équipe, une équipe qui, je pense, peut rivaliser avec les meilleurs.